Bonjour et bienvenue sur la chaîne DB Bois. Cette semaine, on va faire de l'aménagement pour l'atelier. J'ai créé un support pour tous mes serre-joints. Mes serre-joints vont venir ici, sur un grand support, sur l'ensemble de ce mur. En effet, comme vous avez pu voir, j'utilise souvent cette table pour mes assemblages, mes collages. J'aurai les serre-joints à portée de main. Allez, c'est parti! Bien, ça y est, tout est raboté, tout est débité. Je vais vous donner quelques explications quand même là-dessus, les codes surtout. Alors, une rainure de 10 mm de large, 60 mm de profondeur. Comme ça, moi, ça engage bien le serre-joint jusqu'au fond. Vous avez vu, j'ai percé, je mets plein de clous.
Pourquoi? C'est pas du bois terrible, hein, c'est du bois de récup. Je récupère par-ci par-là. Et j'ai déjà eu la mauvaise aventure que ça casse et que le serre-joint tombe. Donc moi, je renforce avec un clou. Donc là, maintenant, on va passer à l'assemblage total de la structure. Au lamello et avec quelques vis. Allez, on y retourne.
Bien, bon, voilà, ça y est, un projet encore terminé. Donc, comme vous voyez, bon, il y en a, je vous l'accorde, ils diront que c'est un peu haut, mais moi, ça me va très bien. Comme ça, au moins, je peux ranger tous mes serre-joints assez longs. Les moyens, vous avez vu, j'ai rajouté une petite paire pour les petites pinces. Ça, super bien. Et voilà. Bon, ils sont dans l'attente, hein, futur serre-joint que j'achèterai prochainement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle le nom de la chaîne DB Bois. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker. Vous savez tout ce qu'il vous reste à faire. Et surtout, prenez soin de vous. Allez, à la prochaine. Ciao!